Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un débriefing spécial Grand Prix de Chine avec une course qui, ma foi, a été assez intéressante, si on en met évidemment toujours le vainqueur, puisque derrière on a eu quand même pas mal de rebondissements, enfin pseudo-rebondissements, dû à quelques aléas en course. Donc, pour ce Grand Prix de Chine, qu'est-ce que l'on va pouvoir bien dire? Il s'est passé quand même pas mal de choses. On va faire évidemment équipe par équipe, et puis on fera un petit résumé à la fin. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, c'est très très facile. C'est un débrief, quoi. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par l'équipe Red Bull, qui nous a fait... non, pas un doublé. On aurait pu le penser avec... La violente avance qu'avait Verstappen durant toute la course et surtout durant tout le Grand Prix. Sachant que la Red Bull était quand même la plus rapide, alors ils avaient eu un petit peu de mal durant les essais libres. On sentait que le manque de roulage avait un petit peu pénalisé beaucoup d'équipes et Red Bull en faisait partie. Et au fur et à mesure du week-end, ils ont corrigé le problème, surtout après la course au sprint. Et la Red Bull, honnêtement, l'avantage qu'elle avait ici, c'est que c'est une voiture qui a pas mal d'appui, mais. Tout en ayant pas mal d'appui, elle a aussi une bonne vitesse de pointe, grâce à son DRS sur leur système qui fait que, en ligne droite, ils arrivent à taper des vitesses qui sont ok, alors que d'autres, en mettant autant d'appui, ont des vitesses moins élevées, ce qui fait que sur un tour, la Red Bull elle est super facile à gérer, puisque comme elle a beaucoup d'appui mécanique, elle a aussi préservé ses gommes, ce qui fait qu'elle a une durée de gomme qui est quasiment illimitée. J'exagère, mais vous avez compris le délire. Ce qui fait qu'en plus d'être rapide, elle pose pas de problème. Donc Verstappen, il en faut pas plus pour écraser la concurrence. Malheureusement pour nous, et heureusement pour eux. Bon, après, ce ne sera pas les premiers à avoir une domination assez importante. On continue, hein, toujours, victoire sur victoire. Il y a eu un seul faux pas de Verstappen, c'était sous la pluie, lors de la course sprint. Où il a quand même pas mal enchaîné les erreurs, mais beaucoup, beaucoup de pilotes en fait ont fait des erreurs, donc on va pas trop lui en vouloir spécialement. J'ai vu un petit peu des commentaires sur des sites qui m'ont fait hurler, notamment des commentaires disant que ça y est, à voiture égale, quand il a pas la meilleure voiture, Verstappen ne vaut pas plus que les autres. Alors, qui vaut pas plus que les autres, j'ai envie de vous dire. Il vaut au moins plus que certains pilotes du plateau, ça c'est sûr. Et une voiture qui marche pas, aucun pilote fait quoi que ce soit. En tous les cas, hein, ça touche tous les pilotes. Il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que 95% de du temps autour, c'est la voiture, 5% pilote. Vous vous doutez bien que vous mettez n'importe qui de la grille, il va déjà être beaucoup mieux placé si c'est la meilleure voiture. Après, est-ce qu'il va être meilleur que son coéquipier? Ça c'est autre chose. Et Verstappen, encore une fois, écraser son coéquipier. Ce qui fait que Pérez finit troisième. Alors, Pérez, est-ce qu'il a été impacté par la safety car? Je ne sais pas trop. Je pense qu'à la régulière, il aurait pu passer Norris, honnêtement. Parce que la Red Bull était quand même un cran au-dessus. Après, niveau gestion, Pérez n'a pas été super bon non plus. Donc, pas un week-end parfait pour Red Bull, mais quand même un bon week-end au final, puisque Verstappen prend les deux victoires, plus la pole. Et je crois qu'il prend. Non, il prend pas le meilleur tour. Le meilleur tour, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être Alonso, il me semble. Ouais, c'est Alonso qui prend le meilleur tour. Donc Red Bull, dans la continuité, je pense qu'on en a pour toute l'année. De toute façon, ils ont trop d'avance. On passe à l'équipe suivante, Ferrari, qui est un petit peu en deçà sur ce Grand Prix. Alors j'ai l'impression qu'ils avaient un petit peu du mal avec leur gomme. Ils avaient un train de gomme qui ne marchait pas forcément bien. Surtout les pneus durs qu'ils n'ont pas beaucoup utilisés en essai. Je crois qu'ils ne les ont pas du tout utilisés d'ailleurs. Ils ont plutôt privilégié les tendres. Et ça leur a porté préjudice durant la course puisque ça a été avec les pneus médiums, les pneus les plus utilisés. On va omettre certains pilotes qui étaient en pneus tendres, mais bon, c'était pas la majorité. Et du coup, en pneus durs, par rapport au McLaren, ils ont été un peu en deçà. J'ai un peu parce qu'il y a quand même Piastri qui est derrière. Mais ils n'ont pas en tout cas pu inquiéter les Red Bull. Enfin, à aucun moment ils n'ont pu inquiéter Pérez ou Verstappen. Donc, du coup, c'est une course un petit peu en deçà. C'est pas fou. Ils ont un petit peu même reculé en termes de hiérarchie. Et on l'a vu en course au sprint, même là, ils n'étaient pas forcément trop à leur aise. Donc, un premier faux pas, je trouve, sur la saison de Ferrari à ce niveau-là, en termes de performance pure. À voir sur d'autres circuits un peu différents. D'ailleurs, apparemment, il paraît que
le revêtement de la course, de la piste, c'était pas un vrai revêtement, enfin c'était pas nouveau, ils ont juste mis une pellicule, je ne sais pas ce que c'est, et voilà. Et en plus c'est un circuit qui est assez bosselé dans le sens où c'est construit sur un marécage, un peu comme en Corée d'ailleurs, ce qui fait que bah au bout d'un moment tout ce qui est sous le circuit a tendance à bouger et ça crée justement le nivellement n'est pas bon. Du coup, ça commence à créer des légères bosses, légères bosses. Et je pense que ça va peut-être pénaliser certaines équipes aussi. Donc Ferrari course moyenne. Bon, ils finissent quand même 4 et 5, il y a pire. Surtout quand on va passer après aux autres écuries. Mais c'est pas fou non plus. Maintenant, c'était pas trop fou ce Grand Prix. Il n'y a pas matière à trop à sourire. Chez Mercedes, en tout cas, c'est pas beaucoup mieux, si ça peut vous rassurer. Ça va vraiment pas du tout. Car chez Mercedes, ben, on est en train de s'enfoncer littéralement. Je dis s'enfoncer, c'est dans la hiérarchie. Parce que ce soit Hamilton ou Russell, alors Russell a été un peu plus en forme sur la deuxième sur la course longue, puisqu'évidemment Hamilton il a raté sa qualification, il partait beaucoup plus loin. Mais Russell, s'il s'est battu effectivement un bout de temps avec les Ferrari, n'a pas fait non plus long feu. La Mercedes qui est toujours bloquée dans ses problématiques, l'équipe qui ne comprend toujours rien au réglage, comment elle fonctionne. Elle était certes un peu plus comment dire, elle était un peu plus avantagée pendant la course sprint parce que c'était une voiture qui a beaucoup trop d'appui par rapport aux autres. Et du coup, bah, sous l'appui, quand t'as de l'appui, ça marche un peu mieux. Mais une fois que le sec est revenu, bah, on a bien vu qu'ils ont reculé complètement. En termes de comparaison entre les deux pilotes, Russell a été plutôt correct durant tout le week-end. Hamilton, à cause de son erreur en qualification, partait super loin. Voiture chargée, du coup très difficile de dépasser en ligne droite, le DRS marche pas super bien. Et surtout voiture ultra sous-vireuse, pardon. Et c'est un peu un paradoxe en fait, parce que quitte à avoir beaucoup d'appui, ça permet justement d'avoir plus de grip en virage et peut-être moins de vitesse en ligne droite. Ils avaient ni l'un ni l'autre. Donc du coup, soit ils ont déchargé Hamilton entre la course sprint et la course principale, du coup, pour avoir plus de vitesse et pouvoir dépasser en ligne droite, ils se sont peut-être donné ça. Mais du coup, bah, pas assez d'ailerons et potentiellement, ils auront une voiture qui tombe pas. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû. Mais que ce soit Russell ou Hamilton, on sent que chez Mercedes, c'est la galère. Et ce que disait Toto Wolff après le Grand Prix, nous sommes là où nous sommes. Enfin, en gros... Voilà, notre vraie valeur actuellement, notre vraie valeur, c'est top 10 et ça s'arrête là, quoi. On peut se battre parfois de manière sporadique avec Ferrari, Aston Martin ou McLaren, mais pas au-dessus. Enfin, pas de quoi viser un podium à la régulière, quoi. C'est vraiment en dessous. Je rappelle que le meilleur résultat de la saison, pour l'instant, je crois que c'est cinquième, hein. C'est cinquième pour Russell ou quatrième. Donc c'est pas bon. Alors Hamilton il a émergé pendant la course au sprint parce qu'il pleuvait et encore il aurait même pu faire la pole, mais bon, il a quand même pris une seconde sur Norris qui a eu son temps rétabli. Ça s'est plutôt joué un concours de circonstances. Hein. C'est-à-dire que les pilotes qui faisaient pas d'erreur, qui étaient les derniers à rouler sur le dernier tour, potentiellement pouvaient faire un temps bien meilleur. Donc c'est certes une belle performance, mais sur l'ensemble du week-end, c'est à oublier. On passe du coup chez McLaren, pardon, qui, pour ce qui était censé être leur pire week-end de la saison, je sais pas trop pourquoi, le fait qu'il y ait des lignes droites, mais bon, des lignes droites, il y en a un peu partout, enfin je veux dire, il y en a aussi dans les circuits rapides comme Monza, etc. On fait une course correcte, même plus que correcte, Norris, certes, alors il y a eu la déconvenue après la pole en course sprint, où il se retrouve à l'extérieur au premier virage. Et c'était la partie la plus humide, je pense, et du coup il a perdu le grip, ce qui fait qu'il se retrouve à l'extérieur complètement et se dépasser. Bon, n'importe quel pilote à l'extérieur aurait subi le même sort de toute façon. Ce n'est pas forcément lié au fait qu'Hamilton les bloquait un petit peu sur l'extérieur. Dans tous les cas, il s'est bien rattrapé en course. Et il a été même lui-même étonné d'ailleurs de ce résultat, alors peut-être aidé par les safety cars aussi. En tout cas, Norris, il a battu Piastri. Alors Piastri, je sais pas s'il a pas eu un souci au niveau de son fond plat, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a été touché légèrement. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça n'a pas trop marché pour Piastri. Parce qu'en général, il est assez proche en coéquipier, il a fini plutôt loin. Mais en tout cas, McLaren marque de gros points durant cette course.
Bon, au moins que Ferrari, parce que si on cumule. Eh non, même pas, si je dis ça, non, 18. 18 points pour Norris. C'est le deuxième à marquer le plus de points. Après Red Bull. Et pour l'instant, bah, si c'est leur pire week-end, j'ai hâte de voir leur meilleur. Hein. Ça va être victoire, doublé, ce que vous voulez. Bon, vous m'avez compris, je suis un petit peu ironique, mais c'est pas improbable que potentiellement. Dans le cas, l'éventualité, la phrase est de plus en plus longue, c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez la probabilité de 5%, quoi, ou Verstappen a un problème que Pérez est mauvais, bref, un cataclysme, et ben, le victorieux, justement, à part Red Bull, ben, ça pourrait peut-être être McLaren, par exemple, ou encore une Ferrari, en tout cas, je vois pas une Mercedes. Pas grand-chose à dire de plus, les deux pilotes ont fait ce qu'ils peuvent aller, et belle course de Norris. Faire plus long, hein. Ensuite, ensuite Aston Martin. Alors Aston Martin, il y a pas mal à dire. Déjà, la stratégie à entendre d'Alonso. Pourquoi pas? Ça permet d'avoir un rythme plus ou moins rapide de manière régulière. Parce que la régulière, je pense que l'Aston Martin n'était pas spécialement la plus fringante en course. Alonso savait qu'il allait dégringoler de toute façon au fil de la course. Il ne pouvait pas tenir contre le rythme des Red Bull, c'était pas possible. Par contre, je l'aurais mis un peu plus haut. Il finissait 7e. Honnêtement, j'aurais pensé qu'il finirait au moins 5e. Un peu intercalé entre les Ferrari et les McLaren. Ben non, finalement, ça s'est pas passé comme ça. Bon, bah, course classique d'Alonso qui a fait son mieux. Ça a marché, oui, non. Enfin, en tout cas, ils ont marqué des points. Ça aurait pu être pire. Par contre, on va parler évidemment de Stroll. L'immense blague Stroll. Qui faisait une bonne course, hein. Il était parti dans le top 10, il était en train de remonter, je crois qu'il était 7e ou 8e au moment avant de se crasher au 9e, donc il était dans les points, c'était solide, et pas de problème. Sa course en tant que telle était solide, même si sa qualification n'était pas folle. Mais alors après l'accident avec Ricciardo, secours quoi, enfin on peut voir les images 15 fois si vous voulez, mais il y a une petite marche devant, alors certes il y a eu un ralentissement devant, parce qu'un pilote s'est loupé légèrement, ça a créé un emballement. Mais les pilotes qui étaient devant lui, notamment Ricciardo, étaient encore plus proches de la voiture devant et ne se sont pas touchés. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un manquement, en tout cas de concentration, pour le pilote canadien à ce niveau-là. Et le fait de dire qu'en plus c'est pas sa faute, c'est du Stroll. Alors, on aime ou on n'aime pas le pilote, moi je n'ai pas spécialement de problème avec ce pilote. Humainement parlant, mais au bout d'un moment, faut assumer quoi. Enfin, je sais pas. Et puis, c'est pas la première année qu'il en est fin. Je comprends pas. C'est un pilote, bon, il est là, on sait pourquoi. Il y a le papa, il y a tout qui fait qu'il est encore présent. Vivement qu'il y ait Honda, hein. Franchement, qui mettent, je sais pas, qui ils veulent à la place, Tsunoda. Mais Stroll, c'est bon. On a vu, on sait. Voilà. Trop de chance pas assez de chance pour certains pilotes, trop de chance pour lui, il le mérite pas. Il les mérite pas. Alors, il a eu des bons résultats dans sa carrière des fois. Il a fait une pole, je crois, en Turquie. 2020, si je dis pas de bêtises. Et à part ça, ouais, non. Il y a des pilotes qui ont été gérés pour beaucoup moins que ça. Et je peux pas défendre Stroll. Alors, j'ai appris d'ailleurs en parlant de Stroll qu'apparemment, ses échanges étaient assez mauvais avec Canal+. Parce que. Il avait eu écho en fait de ce que disait Villeneuve sur son cas à l'époque. Je pense que Villeneuve faisait un petit complexe de jalousie quand même avec le Canadien, en début de la carrière en tout cas de Stroll. Après, bon, il avait plus ou moins raison. Mais du coup, il s'est peut-être mis à dos Canal. Et enfin, je veux dire, Canal s'est mis à dos, pardon, Stroll. Et c'est pour ça que Stroll, je pense, est très, très bref dans ses déclarations et donne l'impression que je m'en foutis parce que d'après les autres télévisions, notamment je crois la RTBF, il est beaucoup plus ouvert avec eux qu'avec la version française. Donc à voir, peut-être qu'il est moins nonchalant dans la vraie vie. Quoi qu'il en soit, il a fait une grosse couille et en plus ça a flingué la course dans un pilote qu'on va parler après, qui aurait mérité justement un peu mieux que ça. On va passer du coup à la prochaine équipe, pardon. On va passer du coup à Alpine qui nous a fait un. Bah, une bonne amélioration. Alors, c'était prévisible. Honnêtement, si vous suivez les anciens débriefings, c'est évident qu'Alpine ne peut faire que progresser vu du point où il partait en début de championnat.
Mais sachant que là, ils ont gagné pas mal de poids, hein, ils ont parlé. Alors, je sais plus combien de kilos exactement. Je peux dire une bêtise, mais je crois que c'est 6 ou 7 kilos. Alors, 6 ou 7 kilos, ça peut paraître pas grand-chose. En F1, c'est énorme. C'est énorme. Ils disent que 10 kilos d'essence, c'est plusieurs, c'est 3 ou 4 dixièmes à l'époque, si je dis pas de bêtises. Donc 6 kilos, bah, ça fait quand même 1 ou 2 dixièmes. Des fois, les 1 ou 2 dixièmes sont super chers hein, sur les qualifications et ça aide pas mal. Et du coup, bah, les Alpines qui étaient toutes les deux en Q2, en qualification, donc performance honorable. Alors, honorable par rapport au début de saison, catastrophique par rapport aux expectations, enfin, à ce qu'on pouvait faire en début de saison. On pouvait penser d'Alpine en début de saison avant le premier Grand Prix. Esteban Ocon qui était le seul à avoir les pièces, alors pas par préférence entre les deux pilotes, c'est juste qu'ils n'avaient pas assez de pièces. Il a réussi à les avoir à l'avance alors que les deux étaient censés l'avoir la course d'après. Donc Ocon l'a eu en premier. Je sais pas si ça s'est joué à pile ou passe ou celui qui était promu au championnat par rapport à l'autre, j'en sais rien. Avec 0 points, je précise. Et du coup, c'est Ocon qui en a profité et on a bien vu qu'il y avait quand même une petite différence de rythme entre les deux. Ocon finit 11e, alors vous voyez pas mal d'abandon devant, on est d'accord. Gasly 13e. Sachant que les améliorations sont sur les deux voitures à la prochaine course et qu'ils vont encore, je pense, pouvoir optimiser le package, eh ben, tout doucement, Alpine se rapproche du top 10. Donc peut-être que Alpine pourrait marquer quelques points d'ici, peut-être même la prochaine course. En tout cas, c'est pas passé loin. 11e pour Ocon, 13e Gasly. Course normale, pas grand-chose à rajouter sur les deux pilotes Alpine. Bah, espérons que la progression soit continue jusqu'à la fin de saison hein, pour sauver les meubles. De toute façon, c'est tout ce qu'il leur reste à faire pour cette saison. Je pense que même ce qui serait intelligent pour eux, ça serait de carrément passer à l'année suivante, directement. Il reste encore 2025. Et quoique, hein, 2026, nouvelle réglementation, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se plancher sur une nouvelle voiture alors qu'on va encore tout changer un an après? Ouais, à voir. Enfin, en tout cas, on verra ce qu'ils feront. Donc course plutôt pas mal pour l'équipe de team français. À voir la suite, si ça s'améliorera ou pas. On passe à Williams. Alors Williams et le fameux casque panda de Albon. Bah chez Williams, c'était pas top. Hein. La course sprint à la rue, la course normale, c'était un peu mieux en termes de rythme, mais on a vu qu'Albon, bon, englué dans le trafic, à quasiment aucun moment en position de faire beaucoup mieux. Plus le temps passe, plus je trouve Albon un peu trop gentil, il se plaint pas mal aussi des agissements en course, qui certes, il a raison, mais peut-être qu'il est un peu trop tendre, je trouve Albon dans certains cas, il est pas assez incisif. Et là, la Williams, honnêtement, elle manquait cruellement de rythme, donc il pouvait pas marquer de points. Si on enlève les abandons des pilotes qui étaient devant lui, Albon ne finit pas 12e, hein, il finit 14e ou 15e, ce qui est pas une performance folle. Je vais parler aussi de Sargeant qui a un peu gueulé sur le fait d'avoir pris une pénalité pour avoir doublé le safety car, sachant qu'au moment où il double, je crois que c'est Magnussen, il dépasse, mais il sait pas. En fait, l'équipe ne lui a pas dit qu'il devait relaisser à la place, et malheureusement, ben, ça lui coûte 10 secondes. Et pour une fois, Sargeant n'était pas trop loin d'Albon en termes de rythme, c'était plutôt pas mal. Et bah pour une fois que c'était pas mal, malheureusement, au classement final ça se voit pas puisqu'il finit dernier et donc 17e alors que Albon finit 12e. Mais il y avait un petit peu de mieux. Voilà, c'était pas fou, mais il y avait encore un peu d'amélioration pour le pilote américain. En parlant des 10 secondes, Lance Stroll a pris 10 secondes aussi hein, pour l'accident avec Ricciardo pendant la course, enfin après la course. Mais de toute façon, vu qu'il était quasiment dernier, ça servait à rien. Enfin, il n'allait pas marquer de points. Donc pour Williams, course à revoir, il faut absolument qu'il y ait des améliorations hein, chez Williams, parce que sinon là, ils vont redescendre à la 10e place en fin de saison. On va voir après au niveau du classement des équipes, mais là, ils sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre, Alpine remonte, Sauber a fait une bonne course, vous allez voir après. Il va falloir se bouger un peu le cul. On passe chez Racing Bulls, qui avait... la voiture au niveau cette course honnêtement par rapport
Par rapport à la course du Japon, où par exemple Tsunoda avait beaucoup, vraiment émergé, là Tsunoda était un petit peu en délicatesse, il était même battu par Ricciardo, qui lui, de son côté, avec un nouveau châssis, s'en est beaucoup mieux sorti. Alors, mieux sorti, il pouvait viser les points à un moment, enfin en tout cas c'était pas loin, jusqu'à cet accident malheureux avec Lance Stroll. Cependant, en termes de rythme pur, je suis pas sûr qu'ils aient pu marquer un point. Parce que Littenberg, je crois qu'il était devant en ce moment-là. Quoique non, il faillit rentrer dans Piastri. Donc c'est là qu'il était dans les points. Non, non, je dis une bêtise, pardon, mais il était dans les points. Donc il y a peut-être un point pour Ricciardo. C'est bien pour Ricciardo, hein. Alors, ils lui ont fait confiance, ils ont changé le châssis, ça a marché. Donc à voir si c'est juste un coup dans l'eau ou si ça va continuer pour les prochaines courses. J'espère que ça va continuer pour Ricciardo, qui montre quand même qu'il est pas mort pour la F1, quoi, qu'il a encore une chance potentiellement de faire des belles courses. Malheureusement, c'est arrivé pas au beau, pas au, le, la bonne course. Faire une bonne performance. Tsunoda est bien remonté, mais malheureusement il y a eu un abandon à cause de la collision. Les deux Red Bull, hein, ont abandonné sur collision. Pas enfin, les deux Racing Bulls, pardon. Donc course à oublier pour le team, mais de toute façon il n'y avait pas grand chose à grappiller, peut-être un point, ce qui n'est pas fou non plus pour l'équipe. On passe à l'équipe Kicksauber, qui avait du coup Guanyu Zhou, le chinois, à domicile. Alors à un moment j'ai cru qu'ils étaient complètement dopés, parce que quand on a vu les temps en essai, enfin en sprint, Bottas surtout, hein, qui était complètement shooté à mort. Enfin, j'exagère, mais vous m'avez compris. Bottas qui était pas mal honnêtement sur cette course. À un moment, la course sprint, il était pas mal aussi. Course principale aussi. Il avait un bon rythme. Alors ça s'est un petit peu effondré au fur et à mesure. Enfin, c'était un bon rythme, mais c'était un rythme, un faux rythme. Hein. Ça allait pas trop durer. Malheureusement pour Bottas, il y a un problème moteur qui lui fait abandonner, hein, alors qu'il était pas trop trop mal placé. En tout cas, la Kicksauber a eu. Ça a bien sorti sur le circuit chinois. Est-ce qu'ils auraient marqué un point? Non, je pense pas, mais en tout cas, ils auraient été très très proches de le faire. Par contre, j'ai trouvé Guanyu Zhou un peu à l'agonie, hein, par rapport au Finlandais. Pourtant, chez lui, en plus. Alors, certes, il est chez lui, mais bon, le circuit, personne n'y a roulé pendant des années. Donc. Ça veut rien dire. Donc un peu de mieux pour l'équipe. Est-ce qu'ils n'ont pas marqué de points du coup parce qu'il y a l'abandon de Bottas et Guanyu Zhou a fini 14e. Donc Guanyu Zhou n'a pas apporté les espoirs de l'équipe sur cette course. Et j'espère que Guanyu Zhou se pourra faire un peu mieux les prochaines courses parce que c'était pas fou. Honnêtement, c'était pas fou. Bottas s'est vraiment révélé d'un coup. Pas de points pour l'équipe, mais du mieux. Donc à suivre pour la prochaine course aussi. On passe à la dernière équipe. L'équipe qui va marquer du coup le point final des 10 premiers, c'est l'équipe As qui a encore une fois placé un pilote en 10e place. Je ne sais pas comment ils font. C'est toujours un des aléas qui font qu'ils marquent un point. Là, en termes de, comment dire, d'optimisation de points, As ils sont beaux. Hein. Alors à ce moment, pouf, ils grattent tout ce qu'ils peuvent. Et du coup, le point pour Hülkenberg qui a fait une belle course en vrai, Hülkenberg, hein, il a fait une course pas mal. Magnussen a fait toujours ce qu'il sait faire, hein, c'est-à-dire des manœuvres un peu bizarres, bouchonnées, ce que vous voulez, et du coup il finit 16e. Voilà. En plus, il y a une collision avec Tsunoda, donc génial. Il perd un pilote grâce à Magnussen. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier, je pense. Du coup, pas de points. Par contre, Hülkenberg, voilà, 10e, qui avait fait des bonnes qualifications aussi, hein, faut pas oublier. C'est très très mérité. Et la As, en tout cas, qui a été au niveau, voire un peu plus que ses concurrents directs, et du coup, va grappiller encore un point. Je crois qu'ils ont 5 points maintenant, ce qui est quand même bien. Et du coup, ils s'éloignent au classement des équipes qui n'ont pas marqué, notamment Alpine et Williams. Et Sauber. Du coup, on a 3 équipes toujours sans points. Ça, par contre, c'est assez rare. Il me semble que l'année dernière, ils avaient tous des points à partir de la troisième course ou la deuxième. Là, on a quand même 3 équipes sans points. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je pense qu'elles vont en marquer plus tard dans la saison. Et ça va se jouer vraiment entre eux. En tout cas, il y a une belle bataille. Il y a une belle bataille entre eux. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool à suivre si vous voulez pas suivre les premiers. Mais si vous voulez suivre les petites équipes derrière, il y a de quoi faire. Maintenant, il y a une belle bataille.
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette équipe? Ben, pas grand-chose de plus. Bien joué en tout cas pour le point. Je ne sais pas s'ils ont prévu des améliorations pour la suite de la saison. Je sais qu'en général, As a du mal à sortir des améliorations sur la durée d'une saison. Donc est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont commencer à perdre du terrain au fur et à mesure? En tout cas, ils ont intérêt à bien optimiser les moments où ils sont forts, parce que ça durera pas. Au bout d'un moment, ça va progresser derrière. Et je pense que surtout, c'est Alpine qui va être une difficulté pour ces équipes-là, puisque dès qu'elle sera remontée, eh ben, on aura quasiment les 10 premières places verrouillées pour les points. D'ailleurs, petit aparté, on l'a vu, ils veulent passer à 12 points, enfin 12 places marquant des points. Alors, on a toujours le 20, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6. Voilà. Par contre, après, au lieu de faire 6, 4, 2, 1, on aurait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et du coup, on a deux voitures de plus qui marquent des points. Si vous voulez mon avis, je vois pas pourquoi, honnêtement. Il y aurait 26 voitures engagées. Je comprends. Ça fait un peu moins de 50% des voitures qui finissent qui peuvent marquer des points. Pourquoi pas? On n'est que 20. Ça fait plus de la moitié des pilotes qui marquent des points. Je comprends le délire de oui, effectivement, on a 4 équipes qui pour l'instant dominent tout et du coup ça laisse des miettes aux autres. Mais ça a toujours été le cas, hein. Peu importe. Souvenez-vous à l'époque où il y avait par exemple le duel Williams-Benetton ou McLaren-Ferrari, on avait les 4 premières places qui étaient blindées. Il restait la 5e et la 6e place. Ça faisait 3 points à se grappiller entre par exemple Jordan, Williams en 98, 99, tout ça. Jordan, Williams, Benetton. Enfin, c'était les points à points étaient ultra chers. Pourtant, personne ne se plaignait. Donc là, rajouter 2 places de plus pour que potentiellement Alpine, Williams, Sauber et As ou Racing Bulls grattent un point ou deux, je trouve que ça sert à rien. Enfin, je trouve que ça sert à rien parce que à ce compte-là, puisque c'est une histoire d'argent, hein, finalement, c'est une histoire d'argent, pourquoi tout simplement ils ne revalorisent pas la valeur d'un point? Voilà. Ils réduisent la valeur d'un point en certain seuil, ce qui fait par exemple, si on dit une bêtise, 100 points, c'est par exemple 1 million. Bon, c'est faux, mais 1 million. Si on dit que si les paliers sont un peu plus faibles, on peut dire que par exemple, un point, enfin en tout cas, entre 1 point et 10 points, par exemple, ça donne 1 million. Au-dessus, les paliers donnent plus. Mais on réduit le maximum, par exemple, ce qui fait que, par exemple, une équipe peut pas recevoir plus de 100 millions ou 50 millions, par exemple. Et l'argent récupéré, on l'aide à faire que le minima de points donne beaucoup plus d'argent. Comme ça, au moins, on garde ce barème de 10. Et ça, voilà, enfin, moi, je trouve que ça ne sert à rien de changer encore le barème. Ça a aidé un petit peu à une période parce qu'il y a très peu d'abandon, ce qui fait que c'était compliqué, je suis d'accord. Mais la 12, c'est trop. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire. Alors, je suis sûr qu'un jour, ils vont faire tout le monde marquer des points. Ça sent les Américains, ça sent les gars qui vont. Faudra qu'on en parle un jour, mais le côté Liberty Media, tout ça. Le côté américain de la F1, enfin, la F1, le côté américanisation de la F1, bah, pensez au championnat autour. Vous allez vous rendre compte que bah, ça ressemble de plus en plus à la F1. Enfin, la F1 ressemble de plus en plus à ça. Il y a des championnats, par exemple, il y a des points pour tout le monde. C'est le genre de trucs qui font que je me dis, mais peut-être que dans le futur, ça va être comme ça. Dans le futur, il y aura. Je sais pas, moi, il y aura peut-être. Il y aura plein de courses, tout le monde marquera des points. Peut-être qu'un jour, il y aura même qu'une seule monoplace. Hein. Peut-être qu'ils voudront tellement un championnat où tout le monde est ultra serré, tout le monde a sa chance, où il y a 15 vainqueurs différents par saison. Qui vont se dire, bon là, c'est bon, on s'en fout, tous les moteurs sont bridés, ça donnerait une formule comme certains championnats, enfin, plus que monotype, quoi. Enfin, ça va devenir de la super formule 1, si vous voulez. Donc ça va être intéressant pour certains, mais c'est un genre de championnat qui ne marche pas en termes d'audience. Donc ils vont se perdre là-dedans. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc du coup, les 12 premières places, ça va être mis en place, évidemment, parce que les équipes n'ont pas dit oui, bah elles ont rien à perdre, au contraire, elles vont gagner de l'argent encore plus. Donc bon. Il pourrait dire les 20 premiers marquent des points et il serait d'accord. Alors autant ils sont pas d'accord pour faire entrer une équipe en plus, mais alors pour ça ils sont d'accord. Hein. Aucun problème, tout le monde défend son beefsteak, enfin bon, bref.
Bref, c'est le petit coup de gueule, on va s'arrêter là-dessus, de cette course qui a été, ma foi, intéressante derrière, mais pas ouf devant, comme beaucoup de courses de cette saison, et je sens que c'est pas fini. Voilà. Alors, petite aparté avant de se quitter, il y aura des courses où il n'y aura pas de débriefing, puisque je ne serai pas sur le continent européen, n'est-ce pas? Et du coup, je n'aurai potentiellement pas le temps de... Bah, déjà, je n'aurai pas l'accès pour faire des vidéos. Moi qui ai un OBS sur mobile, pourquoi pas? Ça pourrait être marrant, ça, un OBS sur mobile. À moins qu'il y ait ça et que je puisse faire une petite vidéo ou deux. Mais du coup, il y aura pas. Il y a trois grands prix où je crois où il y aura pas de. Ou deux. Où il n'y aura pas de débriefing. Ou je ferai peut-être le deuxième un peu plus tard, s'il y a un creux entre les deux. Voilà. Écoutez, si vous avez des idées pour les débriefings en plus à me soumettre, des choses qui ne vous plaisent pas, des choses qui vous plaisent, des choses à conserver, à enlever, je suis ouvert à toute discussion. Je sais que c'est le format qui est beaucoup utilisé par beaucoup de gens. Il y a 50 personnes qui font des débriefings par Grand Prix, donc je ne me considère pas être meilleur que les autres, loin de là. Il y en a qui ont plus de mise en scène, il y a des vidéos derrière, il y a du son, mise en image. Non, moi je fais la bonne franquette. Ça me suffit. Je veux un truc simple, je veux pas un truc qui prenne 40 heures à faire, et en plus pour vous, ça vous prend pas 3 heures à écouter. D'ailleurs, c'est trop long. On est à. On voit rien. On est à 30 minutes. C'est parfait, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.